secondes. Les moments où tu coupes. Il faut savoir que l'intéressé faisait donc l'objet d'une procédure d'expulsion, que le concours de la force publique avait été accordé et que l'intéressé, à la suite de la venue à la fois de deux fonctionnaires de police, d'une femme huissier et d'un serrurier, n'avait pas répondu aux sollicitations qui lui avaient été adressées. Le serrurier est descendu, est allé chercher son matériel pour pouvoir ouvrir la porte avec une disqueuse. Il a commencé à travailler avec la disqueuse et là, il a arrêté. Tout le monde a entendu un crépitement, peut-être un départ de feu. Et donc, tout le monde a eu le réflexe de partir très rapidement, de quitter les lieux. Et très peu de temps après, est intervenue une très forte explosion qui, évidemment, a ravagé l'endroit et a fait que l'immeuble s'est écroulé.